Lorsque je joue devant des spectateurs valides, ça ne manque jamais, je fais toujours un bide. Et comme le rayon PQ en pleine crise du Covid, en 2 minutes la salle se vide. Mais j'ai trouvé une parade salutaire à cette plaie béante. Enfin j'ai un cotter pour endiguer l'hémorragie de mes parterres. Je joue devant des publics sédentaires, même s'ils s'arrachent les tifs, qu'il est rétif à mes poncifs, jamais ils ne se rebiffent, mon public captif. Pour éviter que mon public quitte les rangs, je joue pour les 0-3 ans, encore rampant. On trouve dans les crèches de merveilleux fans, il n'y a que des légumes dans les jardins d'enfants. Les handicapés sont un public qui me flatte, entre tous les tétraplégiques et les cul-de-jattes, les sourds, les déficients mentaux et les myopathes. Ils peuvent pas s'enfuir même à quatre pattes, même s'ils s'arrachent les tifs, qu'il est rétif à mes poncifs, jamais ils ne se rebiffent, mon public captif. Je joue à guichet fermé dans toutes les prisons, devant des forcenés gardés par des matons. S'ils m'endurent jusqu'au bout, ils pensent qu'ils auront remise de peine ou double ration. Je ne risque pas d'y recevoir des tomates, tout au plus des oranges ou bien quelques patates. Mais c'est moi qui leur enverrai une avocate à la cantine pour leur graisser la pâte. Même s'ils s'arrachent les tifs, qu'ils rétifent à mes poncifs, jamais ils ne se rebiffent, mon public captif. Je fais dans ma famille un concert annuel, devant tous mes filleuls le matin de Noël. Avec dans ma hotte les cadeaux des fidèles, gare à ceux qui m'écoutent que d'une oreille. J'écume sans danger toutes les scènes ouvertes, le public est nombreux car la place est offerte. Il attend patiemment la fin de mes sornettes pour me piquer illico la vedette. Même s'il s'arrache les tifs, qu'il rétif à mes poncifs, jamais il ne se rebiffe, mon public captif. Les hôpitaux ont quant à eux ma préférence. Mes auditeurs viennent de loin en ambulance, de jour comme de nuit, même pendant les vacances. Il y a la queue dans le hall des urgences. Je termine ma tournée en passant par l'hospice. Mon humour doit faire rire les vieillards, car il se pisse dessus, me crie encore, me rappelle et me pisse pour éviter la promenade et l'office. Même s'il s'arrache les tifs, qu'il est rétif à mes poncifs, jamais il ne se rebiffe, mon public captif. Pendant l'épidémie de coronavirus, je suis privé de scène, bouche cousue et motus. Mon immeuble devient un goulag plein de puces. Depuis des mois, je mène la vie russe. Mais j'ai trouvé un charme à ce confinement. Sur mon balcon le soir, je fais un tour de chant. Et à 20h précises, comme par enchantement, je reçois des dizaines d'applaudissements. Même s'il s'arrache les tifs, qu'il est rétif à mes poncifs, jamais il ne se rebiffe, mon public captif. Malgré mes prévenances, mon public me délaisse. Mes récitals forcés suscitent des prouesses. Le crime, la maladie, les naissances sont en baisse. Les jeunes mûrs repoussent la vieillesse. Heureusement, la mort me reste encore fidèle. Et je joue à l'abri des tombes et des stèles. Les âmes des défunts ont beau fuir vers le ciel, leurs corps ont mon requiem éternel. Même s'ils s'arrachent les tifs, qu'il est rétif à mes poncifs, jamais ils ne se rebiffent, mon public captif. Même s'ils me lancent pas de soutif, si jamais je ne le captive, il ne bouge jamais d'un tif, mon public captif.